Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode un peu zarbi, mais c'est pas grave, allez c'est parti. Un épisode un peu zarbi parce que bah, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 42 ans, je suis vieux et je vous emmerde. Alors j'aime pas les anniversaires, donc ceux qui mettent dans les commentaires « joyeux anniversaire », je les bannis. Bon, on peut pas bannir sur YouTube, mais l'esprit est là. Un épisode un peu zarbi, puisque aujourd'hui aussi, j'ai emmené ma fille à l'aéroport. Elle est partie pour un peu plus d'un mois, en Bulgarie, chez son grand-père, du côté de sa mère. Elle va bien se marrer, bouffer de la loukanka et pouvoir se reposer. Et moi, je suis tout seul. Donc les premiers jours, ça va être ultra fun. Je vais pouvoir me balader tout nu chez moi. Et dans deux jours, je vais commencer à déprimer, comme tous les ans. Un peu un épisode update. Il y a énormément de choses qui sont en projet. Et malheureusement, faute de temps, pas grand-chose qui va arriver avant quelques jours. Il y a toujours ma machine merveilleuse qui m'attend. Et j'avais plein de projets pour elle ce week-end. Mais ce week-end, j'emmène mes vieux à la campagne. Puisqu'il y a 3-4 heures de bagnole. Ils sont un peu vieux, donc je vais les conduire. Puis ça me permettra d'aller passer un petit week-end à la campagne peinard. Pour une fois, la Sigma R17 est un peu en pause, puisqu'elle vient de finir ce merveilleux buste de Groot. 42 heures d'impression. Alors, un tout petit défaut ici sous le menton, mais qui sera corrigé très très vite. Et donc, dans très bientôt, un épisode sur la peinture de ce merveilleux buste de Groot. Ça vient très très vite. Ça vient très très vite et il y aura plein d'autres épisodes qui vont arriver. Je vais avoir un tout petit peu plus de temps, donc je vais pouvoir... Et vous le voyez pas ici, mais j'ai toute une liste longue comme le bras d'épisodes classiques de la Grotte du Barbu, des épisodes de Barbu Nawak, des épisodes de Barbu Experience, plein de contenu vidéo qui va arriver dans les toutes prochaines semaines. Mais pas avant, au moins 4-5 jours. Donc va falloir être un peu patient, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Petite vague de chaleur, je crois que j'ai jamais autant sué des fesses que pendant la dernière semaine. Je réfléchis à quelques projets pour essayer d'améliorer l'aspiration de la poussière dans mon shop en général et pour préserver aussi bien mon imprimante 3D que mon ordinateur qui est ici de toute la poussière ambiante. J'ai énormément de choses que j'ai envie de faire avec la scie circulaire. Vraiment, ma première expérience qui était la fabrication de mon maillet. Ouh, mon précieux. Ouh, mon maillet. Qui a été plutôt une réussite, hein, me donne envie de faire énormément de choses. Et des choses classiques, et des choses qui le sont un petit peu moins, puisque bien sûr je suis pas menuisier, j'ai une vision un peu différente que ce que les autres pourraient avoir par rapport à cet outil. En tout cas, une nouvelle fois, je ne peux que remercier les Aminges de l'Aimant de m'avoir envoyé ce matériel génial qui sera utilisé pour beaucoup de choses. Et vous le verrez dans les prochaines semaines, on va faire mumuse avec plein de trucs trop cool. Avec ça par exemple. Ouh. Ou encore avec ça. Ça vous donne envie, hein? Eh ben, ça vous donne envie et c'est normal. Parce qu'on va faire des trucs trop bien. Et en particulier, je vais essayer de me faire un lit. Voilà, un épisode un peu bizarre. Un épisode update pour dire je suis vieux. Pour vous dire non, j'aime pas les anniversaires. Mais merci quand même aux Aminges qui m'ont envoyé des messages. Ma fille s'est barrée. Je suis tout seul pendant un mois. A très bientôt donc pour beaucoup de contenu, du contenu génial qui va arriver dans les jours qui viennent. Que la barbitude soit avec vous. Et à très bientôt.